Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga des conquérants sur Crusader Kings 3, toujours avec le roi d'Ostfallen pour ma part et pour Usu, le roi de Mercy. Salut à toi. Salut. Et on se retrouvait donc du côté de la Mercy pour commencer, qui continue son magnifique U de Usu, hein, que j'avais bien remarqué, avec un objectif empirique qui se rapproche très sérieusement. C'est ça, il me manque en gros un titre de royaume à avoir et un titre de royaume, enfin il est deux à créer. Pour avoir trois titres de royaume et les 80 provinces, et actuellement j'en ai, je sais pas, une cinquantaine. Ici j'en ai 53 sur 80. Ouais, en plus ton personnage a 27 ans, ça pourrait se faire. Ouais, même s'il est vieux, il a 27 ans en étant vieux, le pauvre. Oui, c'est vrai, oui. Mais il est ivrogne, hein, ça aide pas. Hein. Ouais, exactement. Ah ouais, 1895 pièces d'or. Ah, mon salaud. Ah, bah ça, les pillages, ça rapporte. Ah ouais, ouais, putain, t'es vraiment les efficace. Hein. Ouais. J'ai été pillé Rome, je pense que j'ai été pillé Venise. Et ouais. Y a de la thune partout. Hein. Je sais pas si c'est dans cette partie que j'ai pillé Venise. Putain, t'es... Mais vu que je fais deux parties à peu près dans le même coin. T'es le plus riche pour le moment. T'es plus riche que l'Empire byzantin, plus riche que l'Estonie, t'es plus riche que l'Angleterre. Va trop regarder l'Empire arabe, t'es plus riche que l'Empire arabe. Ouais, t'es le plus riche, je pense. Ah non. Ouais. Non, y a plus riche que toi, la Mongolie, plus 22 par mois. Ouch. Plus 22 par mois, quoi. Ouah, ils se gavent. Ouais, voilà. Et donc, bah, du royaume Ostfallen, voilà, on continue. On était dans une guerre pour récupérer à la Bavière un duché qui est là. Puis, bah, on va reprendre ça tranquillou. Bilou. Je peux mettre lecture, Usu? Ouais, oui. Allez, c'est-y part. Dans 2 mois, ma. Chris Goddy a enfin converti une autre province. J'ai l'impression que mes vassaux font autant que moi, donc ça avance. Mais... Ça. Alors moi, je voulais exécuter 2-3 personnes pour regagner de la piété, parce que je suis en négatif. Ah oui, c'est ça que j'avais dit que j'allais faire. Je vais aller me poser en Bretagne. Bah, pourquoi pas. Vu qu'il y a plein de provinces qui sont libres, ça me permettra de continuer mon chemin pour jusqu'à mon ambassade du Danemark. Mon ambassade. Mmh. Vu comme ça. Voilà, on va finir ce siège là. Normalement, après, on serait à 100% de guerre, score de guerre, et ça devrait le faire. Donc là, mon objectif, c'est de continuer aussi à déchristianiser les princes évêques, hein. Notamment Paderborn, afin qu'on profite du bonus. C'est compliqué. Je viens de remarquer que j'avais deux titres de royaume. Ah ! Le royaume de Mercy et le royaume de Badajoz. En fait, quand j'ai hérité, ça s'est créé et ça me l'a donné tout de suite. Ce qui est très gentil. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bon, ça veut dire que le prochain qui hérite, ça va se diviser, mais d'ici là. Bientôt fini. Ouais, 4 ouais. Mois et le sien 6 mois, donc ça va. 147 troupes ne devraient pas être trop gênantes. Non, mais de toute façon, je pense que je vais. Si jamais ça pourrait faire finir la partie. La guerre. Et... Oh, c'est pas ça. Hop. Et je vais me poser
en Cornouailles, moi, avec mes troupes. Ah. Est affamé. Si l'ennemi est affamé. Ça va, ça a pas l'air trop dur à gérer. Non. 21 troupes, 2. Ouf, plus personne. Terminé. Voilà. Alors, où sont mes troupes à moi ? Si, j'ai terminé de l'autre côté, donc on va le faire. Capturer un comte. Et ben, on va le rançonner tout de suite. Ah, il peut payer que 8. Oh là 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 là. Oh, oh. Le pauvre. Enfin, ce sera mieux que rien parce que de toute façon. Si... Je sais pas si je le garderai. Si je... Non, si je mets fin à la guerre, ça va le libérer. Ça, je sais pas. C'est pas le dirigeant, c'est pas le dirigeant de la guerre, donc c'est possible que tu le gardes. Ouais, je vais aller voir. Après, est-ce que ces terres sont dans ce que tu vas prendre ? Faut voir ça aussi. Oui, c'est vrai ça. Crois pas. Ça va être fini, on verra bien. Ah non, c'est son allié en fait. Ah, c'est bien. Je l'avais oublié, le roi Heinrich II de Bavière. Bon. Longue vie à lui. Hein. C'est ça. Ouais, j'ai un doute. Je pense que ça va le libérer. Ah, dans le doute, tant pis, même si c'est que 8 pièces d'or, on va les prendre. Et voilà. Ah ouais, mais en fait ouais, alors je pensais récupérer plus de territoire que ça. Non, c'était ça. Non, c'était Mason. Non, c'était ça. Non, c'était Mason, c'est ça, pardon. Tout va bien. Ah ouais. Il y a juste une tâche maintenant. C'est ça. On peut ériger une pierre unique. On va le faire. Une vie vaincue. Oh oui. Sutherland. Voilà. N. Allez hop. L'action contre moi a été dissoute. Ce qui a expiré. Ok. Partir en pèlerinage, adopter. Je sais, je. Si je. Bon bah. Cher Léo. Une petite révolte. Ouch, alors est-ce que. Waouh, ils sont 5 coups. Ils vont piquer ceux-là. Ils se révoltent pendant que je suis en guerre. Est-ce que tu sais qui a les Jarnsvikings en ce moment ? Alors, ils viennent d'être juste recrutés à l'instant par. Le roi Egil. Mais par contre, je ne peux pas les recruter parce que je suis pas en guerre avec une foi hostile et il me faut 606 de piété. Ouch. Malheureusement. Je vais me dépêcher de finir cette guerre. Je vais me dépêcher. En gros, ils sont en partie isolés donc ils ne devraient pas être trop dérangeants. Et du duché d'Hongrie. Ah bon ? What ? Pas ça. Oh, t'as converti, très bien. Bah t'as encore du travail hein. Parce que mal t'es converti. 21 ans, ouais. 25, 39. Oui, tout à fait. Voilà, nouveau dû. Victoire à donner, moi. Est-ce que j'ai des champions ? Ah, mais pourquoi j'ai tout ça en homme d'armes ? Mais qu'est-ce que.
J'ai plein d'armes j'ai plein de trucs que j'ai pas fait, de la piétaille en armure, des piquiers, et j'ai deux unités d'onagre, j'ai jamais pris tout ça moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, moi aussi de temps en temps j'ai des unités qui se forment, mais je sais pas d'où ça vient, et je garde. Ça ouais, ouais. Ouais, mais bon, enfin, c'est pas les plus intéressantes, quoi. Bah non, ça c'est... Voilà, piétaille en armure. Ouais, piquier. Les piquiers, non. Nice, ces troupes-là vont partir ici. Très bien, je finis ma guerre. Effectivement. Quimper, voilà. Je peux déverrouiller quoi? Hors des rançons, plus 55, plus 50%. Je prends. Tu m'étonnes. Ma dynastie a obtenu ravisseur expérimenté. Je sais pas si c'est positif. Hein. Ouais, non, tu m'étonnes. Oula. Coup de lag. On est de la... Attends, mais on a un mec qui s'est connecté. 21 novembre. Attends, mais c'est quoi ce Beans? Comment, quoi? Non, mais alors, il y a un mec qui se connecte là, donc déjà il va dégager. Voilà. Il s'est connecté, il a pris... Ah, il a pas encore pris de territoire. Mais... Non, il était juste ouais. Il était juste en cours de connexion. Par contre, comment il a fait pour choper le mot de passe? Je pense que t'as pas mis de mot de passe. Ah bah si, je pense pas avoir rentré de mot de passe quand je me suis connecté. Ouais. Ah, j'ai peut-être pas cliqué, ça a peut-être pas validé. Vous voyez le mot de passe. Hein, si vous... Connecté. Au revoir, monsieur Crude. Ouais, au revoir, monsieur Crude. Ouais, écoute, ça devrait être bon. Et là, c'est bon. Toi, t'es resynchronisé, je remets lecture. Ouais, et c'est à mon avis, c'est ça. Le temps qu'ils se connectent, j'ai lagué. Bon, ils vont pas se réunir à 6000 sur la même province, quand même, les salauds. Bah, j'espère que non. Après, c'est quoi? C'est des rebelles, hein, mais. Des mercenaires, j'ai évité. Ah si, on dirait que c'est ce qu'ils veulent. Je vais même me rapprocher, on va voir. Oh, le Musaïd est en guerre avec son pote. Bon, ils se divisent pour essayer de m'intercepter. Ils ont pas compris que, bah non. Marchera pas. Meilleur commandant d'armée, plus de soldats, qualité supérieure. Ouais, non, ça va. Ouf. Par contre, ouais, s'ils viennent à 6000 contre 3000, ça a piqué, mais. Bah enfin, elle est mortelle, putain. Ils arrivent dans quoi? Dans 11 jours? Bah, ils peuvent arriver, je pense. Le temps qu'ils arrivent, les autres sont morts. ouais. En fait, j'ai pas fini la bataille, mais ils étaient tellement bas que le moral, c'est mal parti. Donc on s'est retrouvé à égalité sur la bataille alors qu'ils étaient deux fois plus nombreux. On peut leur dire au revoir. Je visais quand même la victoire, hein, parce qu'il y en a deux là qui se sont rebellés, c'est pas des bons fidèles. Oh, capturé. Directement. Disperser tout. Appuyer les demandes. Crédit. Rançonner, tu me veux. Ben non, je vais pas te rançonner. Négocier la libération, tu te convertis. Même chose ici. Négocier la libération, tu te convertis. Décision. Ériger une pierre unique, ouais non. Alors, mon prestige, c'est toujours pas ça. Hop, je vais me créer. Ah mince, non, on va le créer sur le final. Lever les pieds en loco. Ouais, mais les hideuses. Va voir. C'est ça. Voilà, la lèpre, ouais, d'accord. Ah non, mais la reine de Lotharingie.
Après, elle a la lèpre, hein, donc ceci explique cela, mais... Elle se fait piquer par une guêpe. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est exactement ça. Ah, mais plein à propos de Catherine Artillery. Alors... Ah, en fait, maintenant, quand je rançonne quelqu'un, je reçois du prestige en plus. Ah, c'est bien, ça. Donc, pour chaque pièce d'or, je reçois un de prestige. C'est pas mal. On va pas cracher dessus. Non, c'est sûr. Surtout qu'il faut que j'atteigne le rang pour faire des... revendiquer un royaume. Je revendiquerai lequel ? Ah, je pourrais peut-être l'Asturie aussi. J'en suis à combien ? 34 sur 62. Merdier, je suis là. Merci. Après celui-là après, mais. Test tellement. Si je conseille. Ah, par contre, ça peut s'arranger. Jours pour lever mes troupes, mais ça pique. Ici, oh, il y aurait de l'argent, mais ils sont pas dégueulasses, hein, les Provençaux, donc on va pas les attaquer. Ils sont tellement pas dégueulasses qu'ils attaquent l'Italie à 2-1. Ah oui. Enfin, l'autre c'est Zab qui se retrouve en Algérie, Tunisie, bref, entre les deux. Dans le désert, en gros, il a 600 troupes, donc il va rien apporter. Ouais, et il est vénère, hein, le Provençal, là. Enfin, elle, c'est une duchesse. Ah, mais oui, je peux pas le faire, oui. Avec lui. Il est à nouveau en forme l'empire arabe. Et puis je regarde. Croisade pour le royaume de Jérusalem. Ah. Donc bon bah. Avec 30% de victoire pour le pape. Où sont mes armées là? Elle est partie ou? Il est en train d'embarquer. Ici, il n'y a rien à piller. Là, on va éviter. Viens, promotion de la culture. Hop. Va promouvoir la culture ici. Shall gain XP. Ça c'est à dire. Bien. Gundric est enceinte, d'accord. Ça me fera un héritier. En plus. Fait que ce soit une fille. Ah, quoique non, mais non, c'est con, vu que j'ai changé de type de succession, ça changera rien. Toi, ça va, tu m'aimes bien. Alors, je me prêtais à mort dans le plus tapé de 100 morceaux de canard. J'ai jamais, mes serviteurs s'est évanoui après cette tenue la gorge. Il a goûté à mon repas sans ma permission. Ah. Bien vigilant, on a essayé de m'assassiner, visiblement. Ah ben, faire attention. Ouais. Tour ici. Champion. Ah, ça se bastonne. 5 jours et je pille. Hop, Ajaccio. Oh, je me suis fait une prisonnière. Je me suis fait plein de prisonniers. Toi, tu vaux rien. Toi, tu vaux 15 pièces.
Toi, tu vaux rien. Et toi, 150, ok. Je pourrais bien te reprendre des duchés en entier. Et revendique. Hop, allez, un peu d'argent. J'ai combien dans cette armée? J'ai déjà... Après ce pillage, j'ai 50 pièces. Alors, ah, la Provence a perdu, je compte l'Italie. Gagné par le roi Barthélemy. Et donc, il n'a pas récupéré Nice. Tant mieux. Bon, le Mongol va falloir qu'il implose. Hein. Sinon, on est mort. Il a 15 000 troupes, il est plus fort que le Byzantin. Plus fort, plus riche. Et là, il est en guerre. Ouais, mais il va faire des guerres contre toutes les petites tribus à gauche, à droite. Donc pendant un temps, ce sera bien. Mais à un moment, il va arriver près de chez toi, quoi. Moi, ça va, j'en suis loin. Mais toi... Bah oui. Ouais, il se rapproche. Ouais. Bon, après, il y a pas mal de troupes et il risque de perdre aussi en attrition quand il va traverser la steppe. Enfin, j'espère. Aussi. 15 0 24 38, hop, des factions dangereuses, hein, mais ils vont se calmer les paysans là. Oh. Hop, j'ai 3 prisonniers, 45 pièces, 0 et 0, vous serez des sacrifices. Exécuté, ça me rapporte de la redoutabilité, j'en ai besoin. Ah, on prend, hein, on prend toujours, hein. C'est vrai que j'ai un point à prendre là. Maintenance de l'armée en or. Ah, je vais me barrer. Vite. Vite. Il y a 4000 Italiens qui viennent me taper, je vais faire attention. Ils arrivent quand? Normalement, j'ai le temps de m'échapper. Ouais, je devrais avoir le temps. Je pars quand? Je pars le 2 juin. C'est et bon. Eux arrivent le... What? Mais est-ce qu'ils se battent? J'ai l'impression que mes soldats, ils se sont pas barrés comme je leur ai demandé. Et donc, ben voilà, je me fais attaquer. Super. Ils étaient en comment dire, avec l'animation de mouvement, mais ils restaient sur place. Ah oui, d'accord. Chiant. Mais barre-toi, c'est bon, j'ai... Oui. Mais bon, j'ai obtenu de la gloire, c'est ce qui était intéressant. Après, ouais, 4000 Italiens, ça pique. Ah, je peux même pas disperser tout. Hop. Prochain objectif, Penthièvre. Puis Rennes. Oh, c'est que c'est Montaigu ici, hein, c'est ça. Ouais, Montaigu s'est fait prendre par les Razakides. Ça n'a aucun sens, mais... Hop, ici, démobilisé. Créer un point de ralliement. Alors, c'est quoi, des piquets? Bon, je veux aussi les détruire. J'ai jamais commandé de piquets. Les archers, je peux garder. Les zones nègres, c'est fait. Les bondis, ça va.
Et ça, c'est normal. Okay. Bon bah, rip le Danlo, ils ont 600 troupes. Ça. Ici, arranger un mariage entre toi et... entre toi, leur fils, je peux pas. Alors ici, je vais nommer un nouvel intendant. Ok. Bon, c'est pas mal, mais je vais attendre. Je suis vraiment sûr de réussir ma conversion à Paderborn. Simple compter lui 4000. Il est pas content. Il a des paysans pas contents, il les a rassemblés. Ouais, après je viens de prendre les Jorns Vikings gratuitement donc. Ouais, presque faire. Ah oui, t'es en guerre contre la tâche. Ouais, c'est ça la tâche, ouais. Ah, mais il a 2000 de mercenaires donc. Ah bah oui, voilà aussi. J'ai même pas regardé. Découvrir un secret caché par le bout. Bon bah victoire en un coup, je prends. Disperser les troupes. Deux secondes sur pause. Vas-y. C'est, je suis arrivé. Et ça, je vais le donner à. Tiens, zut, un de ma dynastie. Toi, t'as l'air pas dégueulasse. Ok, nickel. Donc, ça, j'ai plus. Et c'est bon. Hop. Voilà. Asturies sont attaqués par le rebelle. Ils ont pas d'alliés. Je peux prendre ça. Ça, c'est pas le plus intéressant. Ouais. Je vais prendre que. Alors, est-ce que je peux lever que les onagres? Ou pas. 4. 2, 3. Est-ce que j'hésite? Non, j'hésite à faire soit un truc propre, soit prendre du volume. Asturie, c'est dégueulasse comme province. Ouais, ça c'est la meilleure. Galice. 1, 2, 3, 4. Oh bah, je vais prendre ça. Ouais, confirme aussi. De libération, action de libération. Ok. Non,
marche pas. Bon, allez, 63%, on y croit. Allez, je tente. Ah, j'espère que ça va marcher, 63%. Ah putain, ça n'a pas marché. Eh bah tant pis. On va attendre plus de 10 ans quoi. Hop, ordre. J'étais trop gourmand. Bah t'aurais pu. Ça aurait pu passer, 60% c'est quand même pas mal donc. Après, vu que ouais. C'est un prince évêque, est-ce qu'ils sont pas plus résistants, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une. Ouais, je sais pas trop. Quelque chose comme ça en derrière. Ouais, je pense que j'aurais pu patienter, j'étais un petit peu trop. Bon, d'ici 10 ans, tu peux améliorer au maximum tes relations. Ouais, je pense que mon perso sera peut-être mort d'ailleurs, mais. Ah bah, faudra améliorer avec le suivant. Ah, attends, vite fait, je m'épouse. Voilà. Récupérer la crotte. Parfait. Voilà, il y a sans vous. Et toi. Oh. Allez, privilège fiscal. Elle est catholique, elle. Ah, bah non, mais tu vas te convertir d'abord, madame. Ma foi est trop forte. Ah. Ouais, mais je dois pouvoir lui révoquer son titre vu que. Non ? Je peux pas parce que c'est une païenne ou on peut pas l'emprisonner parce que c'est une païenne ? Non, il y a bien des trucs comme ça, non ? Normalement, tu devrais pouvoir. Non, tyrannie. Tu dois pouvoir. Ah. Alors après, est-ce que t'as pas moyen de l'emprisonner ou. Sinon t'attends, hein, elle finira par se calmer. On peut l'observer, hein. Voilà. L'Asturie, ils étaient vénères, mais... Le temps que j'arrive avec mes troupes, ils vont faire un siège chez moi. Ils sont très en forme. Ordre. Ah, je vais... Avant de faire ça, je vais prendre mon point de ralliement, le rapprocher, recruter. Voilà, ça ira mieux avec une armée toute proche aussi. J'ai pas regardé ce qu'il faisait que, mais à chaque fois que j'ai ma piété qui descend, je suis à moins 600 en piété quoi. Alors je sais pas si c'est parce que je déclenche des guerres peut-être. Peut-être, si. Mais normalement, la piété c'est que si tu déclenches des guerres aux gens de la même religion que toi. Bah ouais, Il me semble. Oui, il me semble. Les autres aussi, c'est, c'est du prestige. Alors c'est peut-être quand t'as des événements que tu cliques sur une fenêtre et que ça te fait perdre du prestige, de la piété. Ouais, j'ai pas trop fait gaffe. Je regarde, c'est mon titre reclus, meurtrier, physique avenant, robuste, pillard, guerrier saint, cupide, tempéré, cynique peut-être aussi. Ouais, t'as peut-être des événements qui se créent parce que t'es cynique. C'est possible. Hop. Le duché que j'ai... Ah, bien. Mon U va être un peu déformé si je réussis cette guerre. Donc là, je prends la Galice, donc je prends l'extrême nord-ouest. Ouais. S'il pouvait se décider à crever le dirigeant de l'Estonie aussi. Bien aimable, il serait. 64 ans. 20 000 trop. En gros, mais en vrai, l'Estonie, si le Mongol arrive, c'est notre chance de survie. Hein. C'est vrai. Enfin, quoique, faut voir la composition d'armée, tu vois. Mais face à mon avis, les Mongols, c'est full cavalier. Archer à cheval, archer, cavalier léger, piétaille en armure.
Alors ici, ce fort pèse moins. Leur ok, leur capitale est moins résistante qu'Astagora. Alors, je peux rançonner. Je fais. Mon fils peut se marier. Ah, bien, une bonne nouvelle. Moi qui cherchais des alliés. La Finlande, elle est pas... Ah si, la Finlande est Azatru. Mais, il n'y a pas de fille à marier. Ici, des enfants. Elle est mariée. Russe blanche, non. Novgorod, c'est des traîtres. Alba, il n'y a pas une fille dans les frères et sœurs. Non. Ah, ici toi. Monde. Danlo, c'est même pas la peine d'y penser. Et leur capitale, bon bah. Avec un peu de chance, on aura plein de prisonniers. Préoccupé par ma guerre, mon ami, le Bourgmestfrère, a prélevé une somme dans son trésor afin de m'aider. Il me donne de l'argent, je perds du stress. D'accord, merci. Qu'est-ce que je peux dire d'autre après? Merci, le mec il arrive, tenez mon argent. Bon bah. Ma femme est encore enceinte. Ah sérieux, il m'a contourné le... Enfin, avec 800 troupes, il va pas m'embêter très longtemps. Eh mais c'est moi, la Bavière, elle a implosé en deux, non? Ou alors c'est toi qui l'a pris, qui a fait des dégâts. J'ai l'impression qu'elle est pas qu'elle est plus petite. Non mais il y avait plusieurs guerres hein, contre elle, donc c'est pas impossible. Hein. Il y en a qui ont profité. Hein. Ah ouais. Tant mieux dans un sens. Ah nice. Il y a en Francie orientale, c'est plus du carolingien. Ici. Prisonniers capturés lors du siège. 5 prisonniers. 150 pièces. Bah tu vas rester un peu en prison mon ami. Rien du tout. Bah tu vas rester encore plus longtemps en prison. Putain, c'est quoi cette pauvreté? Il y en a plusieurs qui me rapportent 75 mais ils peuvent payer 11. Bon toi j'accepte. 145 sur 150, on va dire que c'est bon. Avec elle mais... Fonder un nouvel empire. J'ai 55, il manque 25 provinces. Allez, toi j'ai aussi accepté 118 pièces. Pas cracher dessus. Là, cette bataille est compliquée. Je vais la gagner. Mais... Enfin, je vais la gagner, c'est pas... Non, c'est bon.
chancelier. Submergé par le stress encore. Hop, 76. Bah oui, bien évidemment. Voilà, victoire, appuyez les demandes. Et j'ai plein de provinces. Bon, il y en a deux qui vont faire chier parce qu'ils sont restés. Il y en a trois qui vont faire chier. Ok. Toi, tu vas prendre les deux. Ici, c'est pas encore assez amélioré. Déclarer la guerre à l'Aquitaine. Je peux pas encore envahir le royaume, il faut être. Non, c'est pas le coup qu'il me faut. Il faut être rayonnant. Ça va, je suis. À la moitié. Donc on est ouais, sur la bonne voie. Et mon pays est bien devenu bien dégueulasse. Mais ça va, le U reste présent. What? Ah non, c'est bon. C'est une rébellion interne, j'ai eu peur. J'ai une rébellion, ça avait la même couleur que le musaïde quand tu t'éloignes. Non. Et on va aller faire un petit pèlerinage à Paderborn. Je peux le faire aussi, un pèlerinage. Si Paderborn est toujours catholique. Et je vais venir aussi à Paderborn. Hop. On va se croiser. Ah, probablement. Alors, très bien, je suis intrigué, vous entrez. La nuit, ça tente été éclairée par des bougies tentant des chants étranges et de l'encens inhabituel en émane. J'ai pris oui pourvu, ça me demande d'entrer. On va rentrer voir ce qu'elle fait. Sympathie envers les infidèles, ou alors mépris envers les infidèles. Bah, c'est vite répondu, mépris. Une sieste, tiens ça. On va se reposer un petit peu. Mon réveil après un moment donné, la tente elle-même a disparu, le tapis en est encore là, mais c'est bien tout ce qui reste de la présence mystique. Moi cette sieste a été revigorante. On perd 20 pièces d'or, mais on est détendu, on gagne moins de stress. Déjà une bonne chose. Ouais. Hop. Alors, pèlerinage des bandits. Alors, soit je vais les chasser, soit je me cache, soit je paie. Bon, j'ai 19 en martial et 10 en prouesse. Je vais les chasser. Ah, je suis blessé gravement, super. Faire venir un médecin. L'arrivée du pèlerinage, ouais. Je suis obtenu. Ah bien. J'ai été cicatrisé, merci le médecin. L'arrivée du pèlerinage, 625 en piété. Et je suis pèlerin. Bravissimo. Hop ici. Ah bah c'est une possibilité d'attaque ça.
le retour. J'ai quoi? J'ai blessé gravement, ivrogne. Plaie infectée, ah bah. Ah non, je suis pas pèlerin moi. C'est parce que j'ai fait un truc court. Alors là. Alors ici, Cordoue. Navarre. Oh, bah oui. Confirmé. C'est bon d'être chez soi. Fin du pèlerinage. Mince. Je vais lever ici, bien évidemment. C'est tellement bien de pouvoir engager les Jarls Vikings à chaque fois gratuitement et c'est eux qui vont me faire mes conquêtes, j'ai même pas besoin de sortir mon armée. T'es en guerre contre qui là du coup? J'ai déclaré la guerre à Boulogne pour terminer le duché de Frise Orientale. Ah. Tant mieux si t'es un traître. Exactement. Bon, il a un allié avec lui, mais bon. Ouais, enfin, il se fait manger par l'Italie, surtout, donc tu vois. Il devrait pas se faire trop ennuyer son monde, quoi. Non, c'est clair. Et puis l'Italie va imploser. Ouais, l'Italie va perdre les territoires du Nord, et c'est l'Angleterre qui va venir les manger, comme d'habitude. Hop. Alors ici. Viens gérer là. Tiens, toi tu vas m'assister, t'es bien en quoi? Tiens, gère le domaine, rapporte-moi de l'argent. Et bien si, et plus de territoire aussi. Eh ben écoute, je te propose qu'on arrête l'épisode là maintenant, tout de suite, illico, presto. Oh oui. Sur ce petit. Très bien. Petite transition bon, tranquille. T'as pas vu que l'Angleterre avait commencé à venir s'installer vers la Lotharingie là justement? Ouais, ils sont un peu envahissants, donc à un moment faudra. C'est ça. Envahir leur pays. Et... Bah après, Alba, j'allais dire ce qui est pas mal, c'est qu'Alba est puissant, mais en fait il a pas beaucoup de. Il est gros, mais. Pas comparé à l'Angleterre, ouais, non. Et l'Islande. Mais bon, et l'Islande, on va arriver, sa petite on va vie, s'emparer. Oui. Ah oui, l'Angleterre. Ouais, ils sont un peu en galère là. Ouais, ils sont en galère, mais ils sont tout seuls, hein, de toute façon. Mais bon. Ouais. Mais bon. Bon, ben en tout cas, on verra ça lors des prochains épisodes et notamment du prochain. De ton côté à toi, merci. Putain, toi, vraiment que ça. Il faut vraiment tant que tu fasses quelque chose. Parce que, alors, merci, c'est écrit de façon dégueulasse. Hein. Ça ressemble plus à rien. Il y a un merci M... coup, je vais prendre le centre de Musaïd. Ouais, ouais, après, il y a un U. Je vais prendre le centre de Musaïd, ça va être droit. Ouais, bah, c'est parfait. Merci. Parfait, fais ça quand tu veux. Et ben, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, comme je disais. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Dans deux jours, je ne sais plus où j'en suis. On respire, tout va bien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Usu? Alors, bon bah, un nom dégueulasse. Voilà. Voilà. Je trouve que ça va bien résumer l'état de la partie. Un nom absolument dégueulasse. Allez, et ben, écoute. On se laisse sur ça, et ben à la prochaine, merci tout le monde! À la prochaine!